Vous vous êtes déjà sûrement trouvé trop maigre ou bien trop gros. Bien, sachez que ces écarts de poids peuvent évoluer vraiment en maladies très graves. Et aujourd'hui, mes chers tons obèses, on va voir les deux cas les plus extrêmes de la masse corporelle. Clairement, deux problèmes de santé qui touchent de plus en plus de personnes dans le monde. Bon, j'avoue, j'ai des kilos en trop, pas besoin d'en faire tout. Mais Ulysse, on va pas parler de toi, t'inquiète pas. Là, on va parler de sous-nutrition extrême et d'obésité morbide. Alors, bien sûr, dans le plus grand respect de ces maladies qui détruisent des vies entières. Et pour bien comprendre les conséquences de ces situations totalement opposées, on va avoir besoin de deux cobayes, et j'ai nommé Gustave et Balthazar, que vous connaissez sans doute comme Monsieur Bal. C'est moi ou ils sont partis se la couler douce à l'étranger? Relax, Ariane, relax. Ils sont juste en enquête sur le terrain, là, tu vois. Sachez que quoi que vous fassiez pendant ces vacances, ça va être bien. C'est faux. Là, par exemple, Balthazar, il visite l'île de Nauru, qui est un petit pays avec le plus fort taux d'obésité au monde. Alors que Gustave, lui, il est en Somalie, un pays malheureusement frappé par la pire famine actuelle. Et pour pouvoir comparer leurs enquêtes, et du coup, comment ils vont le subir, nos cobayes auraient besoin d'un petit support. Un truc, vous voyez, gratuit, efficace, simple d'utilisation, sans prise de tête, quoi. Un bon vieux tableau Excel? Non, Edgar. Il faudrait aussi que ce soit joli et facile à partager, tu vois. Et cet outil parfait existe. Et il s'appelle Odoo et son éditeur de site web. Là, vous voyez, par exemple, Gustave se connecte au configurateur de site Odoo depuis un cybercafé. Et là, en seulement 4 étapes, il peut créer son site internet et partager ses découvertes. Inquiétante, sur la situation de la Somalie. Là, il commence par définir son type de site, il choisit sa palette de couleurs ou télécharge son logo, quoi. Il ajoute des petites pages ou son choix, comme ça, et il choisit un thème et il a plus qu'à customiser son site. Je crois qu'on a perdu Balthazar en route. Alors là, il est un peu paumé, j'avoue. Mais fais un effort, s'il te plaît, toi, là-haut. Oh putain, le con ! Oh la connasse ! Alors, c'est un peu d'informatique, mais franchement, c'est pas compliqué, quoi. Il n'y a besoin d'aucune compétence technique, quoi. Tout fonctionne avec un système de drag and drop. On peut personnaliser le moindre bloc à l'intérieur des pages, la mise en page est intuitive, bref, ça coule de source. Et là, vous voyez, Gustave, il est un peu en avance sur Balthazar. Profites-en pour dynamiser un peu le truc, quoi, avec des animations et compagnie. Après, pour changer la typographie, vous pouvez choisir celle de base, mais aussi télécharger celle de votre choix, depuis Google Fonts. Vous pouvez aussi rajouter des images depuis votre ordi, ou même en les téléchargeant depuis une Splash, qui est une bibliothèque d'images libres. Ça va leur coûter cher, toutes ces options. Même pas, Ariane, même pas. En fait, la première application d'Odoo est offerte à vie. L'hébergement et le support sont inclus en illimité, et le nom de domaine personnalisé est offert pendant 1 an. Bref, vous pouvez créer votre site internet pour 0€. Si ça vous intéresse, le lien est en description, faites-vous plaisir. Et maintenant que leur site web est fait et qu'ils se sont documentés, nous allons aller au bout de cette enquête de terrain. Parce que Balthazar va expérimenter lui-même l'obésité morbide et Gustave, la sous-nutrition extrême. Alors, du coup, comment on se retrouve dans ces situations? À quel point un problème de poids peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé? Et est-ce que l'un d'eux va souffrir plus que l'autre? Je vous ai posé la question sur YouTube et à peu près les deux tiers, vous pensez que le pire, c'est la sous-nutrition. Rien n'est moins sûr, on va vérifier ça ensemble. Quel est le pire des deux? Alors, pour que nos deux expériences parallèles soient équitables, on va envoyer nos cobayes en France et ils vont subir des transformations physiques chez eux à Lyon dans des conditions identiques. D'ailleurs, autre petit détail important, Gustave et Balthazar commencent avec le même physique. Sinon, c'est pas drôle. Là, ils sont à peu près pareils. Ils font à peu près 70 kg pour 1m80. Ce qui nous donne un IMC de 21,5, donc c'est pile la moyenne. Voilà. IMC, ça me dit un truc. Eh oui, Ulysse, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, donc c'est un peu le standard mondial pour évaluer les risques, en cas de poids trop important ou trop faible. Oh, tu sais, moi, je me prends pas trop la tête avec les calculs. Je bouffe et c'est tout. C'est la seule info technique à retenir aujourd'hui. Parce que là, on va s'en servir pour comparer nos cobayes au fil du temps. Ce sera super simple. Si ton résultat est en dessous de 18,5 d'IMC, tu es considéré maigre, et au-dessus de 25, tu es considéré en surpoids. Après, il y a des... Si vous faites le test chez vous, vous verrez, il y a des différences. Par exemple, si vous êtes sportif, que vous faites beaucoup de muscu, ça marchera pas. Si vous avez des gros os, pareil. Après, les gens qui ont des gros os, il n'y en a pas tant que ça. Je suis pas gros. J'ai une ossature lourde. Bon, entre les deux, on est considéré, en bonne santé. D'un point de vue, en tout cas, masse corporelle, parce que du coup, il y a plein de trucs. En tout cas, ça veut dire que ton espérance de vie sera plus élevée dans ces petits standards-là. Donc, t'es en équilibre entre ce que te dépense ton corps et ce que tu avales. À partir de maintenant, on va gaver Balthazar, et de son côté, Gustave n'aura droit qu'à de tout petits repas très faibles en calories. Et du coup, par rapport à ces mesures drastiques, vous allez voir que leur poids va très vite changer.
Alors je vous passe les détails, mais ça fait 2 mois que l'expérience a commencé, et Balthazar est devenu un bon vivant. Il pèse déjà 90 kilos, soit 20 de plus que son poids de forme. Ah ouais, là il mange vraiment très très bien. Oui, oui, effectivement Ryan, c'est une prise de gras extrêmement rapide. Et là son IMC est de 28, donc ça y est, Balthazar est officiellement en surpoids. Mais il n'est pas encore obèse. Alors bien sûr, il a pris du ventre, puisque bah c'est surtout là que les hommes stockent du gras, je dirais pas le contraire du coup. Il y a aussi des petites vergetures qui commencent à apparaître doucement. Et là, vous voyez, bah, Balthazar commence à transpirer plus, car bah, la température de son corps augmente beaucoup plus facilement. Et du coup, il s'essouffle, il a plus de mal à faire des efforts. Et à l'intérieur de lui, son sang contient plus de graisse. Ça, c'est le fameux cholestérol. Et donc concrètement, ça veut dire qu'en fait, les parois de ses vaisseaux sanguins, un peu comme des tuyaux, commencent à s'encrasser avec le gras. Un peu à l'image du tartre dans nos canalisations, vous voyez qu'il faut déboucher de temps en temps. Bah, là, c'est plus compliqué avec le cholestérol. Et là, justement, vous voyez, dans son cas, comme il est en surpoids, bah, son taux de mortalité a augmenté de 13%. Oh, ça va, c'est pas si grave non plus. Et ben en vrai, Edgar, c'est bien que tu sois aussi désinvolte, même si c'est un petit peu chiant entre nous. Une étude récente montre que la moitié des Français adultes hein, sont en surpoids quasiment. Et il y a un peu plus d'hommes que de femmes. C'est quand même donc énorme quoi. Et l'une des raisons principales, c'est qu'ils ont une alimentation un peu trop grasse et trop sucrée. Ou alors ça peut être aussi lié à la consommation d'alcool. Hein. Ah oui, d'où le fameux bid à bière. Tout à fait, ça vient en partie de là quoi. D'ailleurs, pour d'autres, c'est la sédentarité. Bosser dans un bureau, rester assis derrière un écran, se déplacer uniquement en voiture, pas faire de sport. Voilà, tout ça, c'est que en fait, en gros, bah, vous brûlez pas assez de calories par rapport à ce que vous avalez, quoi. Donc, il n'y a pas un équilibre. Mais il peut y avoir d'autres causes hein, qui font que du coup, on prend du poids. Le stress, qui fait que du coup, bah, on va accumuler plus. Le manque de sommeil, qui fait qu'on va accumuler plus. Les repas irréguliers, qui fait qu'on va accumuler plus. Tout ça, c'est très vicieux et on s'en rend pas compte. Et puis, si on le fait de temps en temps, ça passe. Sauf que, en vrai, si ça devient une habitude et que ça dure des mois et des mois et des mois, bah, hop, 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 il y a un kilo par-ci par-là qui est pris. Et là, vous voyez, bah, dans le cas de Balthazar, oui, coucou Balthazar. Bah là, son surpoids, c'est juste un déséquilibre. D'un côté, il mange de manière trop riche, et de l'autre côté, il brûle pas assez ce qu'il a absorbé comme calories. Alors que pour Gustave, c'est la situation inverse. Et comme prévu, à cause du régime très faible hein, que ce petit Gustave subit, eh bien maintenant, il fait que 60 kilos sur la balance. Et donc, il a perdu 10 kilos en 2 mois. Hein ? Oula, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Ah, il a tellement faim qu'il essaie de bouffer tout ce qu'il peut là. Il est en pleine crise d'hypoglycémie. Ce qui d'ailleurs lui donne au passage des fourmillements, une vision un peu trouble, des pertes d'équilibre. Et au début, bah, le ventre de Gustave gargouillait à longueur de journée. Mais maintenant, en dehors de ces crises, bah, la sensation de faim devient moins forte. C'est comme si son corps s'habituait à ne plus trop manger. Par contre, c'est quand même de plus en plus difficile pour lui de se lever le matin et de faire des efforts. Il a souvent des baisses de tension, des vertiges. Il a quand même bien maigri hein, d'ailleurs. Hein. On commence tout doucement à voir ses côtes sous sa peau. Et son IMC machin là, il en est où monsieur Comte ? Eh bien son IMC est passé à 18. Alors à ce stade, on parle d'insuffisance pondérale légère, hein, ou de maigreur hein, pour faire simple. Et du coup le fait qu'il est un peu plus bah, maigrichon, on va dire, ça fait qu'il est plus facilement irritable qu'avant. Et d'ailleurs il est pas aidé puisque on a d'argent qui se goinfre comme un cochon juste à côté. C'est vrai que ça donne envie. Où sont les fèvres, les pâtés de serre qu'on ripaille à plat ventre pour oublier cette injustice ? Bon, à part ça, bah, Gustave est quand même assez pâle. Il a des problèmes de constipation, il a des maux de tête. Il fait aussi de l'anémie, c'est-à-dire bah, une carence en fer qui va l'affaiblir de plus en plus. Pour l'instant, vous le voyez, nos cobayes s'en sortent pas trop mal. Mais la situation est sur le point de devenir bien pire pour eux. Eh bien, on retrouve ce cher Balthazar, justement, 6 mois après le début de l'expérience, et de gavage intensif comme il se doit. Et justement, je suis pas peu fier, puisque là, il vient de dépasser les 3 chiffres, avec 115 kilos au compteur. C'est quoi ces taches rouges cheloues qu'il a ? Eh bien ça, Edgar, c'est un début de mycose de la peau. Et ça peut arriver bah, chez certaines personnes obèses. Cette fois, avec un IMC de 35, Balthazar, il entre dans la catégorie des obèses. Ouais, c'est bizarre ce que je viens de faire. Non, faut pas applaudir. C'est pas bien ce que t'as fait là. Non. Faut pas recommencer. Et là, à ce moment-là, on est au stade où ça peut être considéré comme une véritable maladie. Et ça touche en vrai bah, à peu près 17% des adultes en France. Et hélas, c'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. Donc là, ce cher Balthazar commence à avoir des varices, des problèmes d'articulation. Il dort mal, il ronfle, il fait même de l'apnée du sommeil. Enfin, c'est pas ouf quoi, hein, clairement. D'ailleurs, tout devient plus fatigant qu'avant. Faire du ménage, cuisiner, même rester debout. D'ailleurs, son quotidien change. Parce qu'en effet, bah, la grande majorité des personnes obèses perdent confiance en elles.
maternelle. Elles voient leur corps comme leur principal défaut. Pourtant, elles n'arrivent pas à perdre du poids. D'ailleurs, certaines personnes obèses vont jusqu'à se voir comme des sortes de monstres et ils se cachent des autres, comme cet homme de 48 ans qui a voulu rester anonyme. Je suis en invalidité depuis 90 kilos quand j'avais 30 ans. Une fois que j'ai dépassé les 120 kilos, je suis sorti le moins possible. Je vais dehors quand il fait noir pour pas que les gens me voient. Je me considère comme un monstre. Alors effectivement, du côté psychologique et social, ça va pas fort. Il se replie sur lui-même. Il est anxieux, le petit Balthazar. Il commence même à tomber en dépression. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, mais son espérance de vie commence à vraiment piquer du nez, quoi. Et pour un IMC de 35, le risque de mort prématurée est quasiment doublé que pour quelqu'un qui fait un poids, on va dire, standard. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'obésité, c'est la 5e cause de mortalité dans le monde. Mais si c'est une maladie, comment on l'attrape, Chris ? Déjà, ça s'attrape pas comme un virus, hein. Et il y a aussi un facteur héréditaire. Par exemple, si tes deux parents sont obèses, t'as 70% plus de risque d'être obèse à ton tour. On peut aussi rentrer dans le domaine des troubles du comportement alimentaire. Boulimie, grignotage compulsif en cas de stress. Autre possibilité, l'arrêt du tabac. Des problèmes aussi de métabolisme, la dépression, certaines maladies, certains médicaments. Bref, tout ça, ça peut chambouler le corps, l'esprit. Et donc, sans s'en rendre compte, on peut commencer à se transformer, ni vu ni connu, en écureuil. Il n'accumule pas des graines, ni des noisettes, mais du gras. En tout cas, du côté de Gustave, au bout de 6 mois, lui, il pèse plus que 50 kilos. Avec un IMC de 15, il rentre dans une phase de sous-nutrition critique, c'est le terme. Putain, mais regardez ça, il est tellement affaibli qu'il passe son temps au lit pour économiser ses forces. Après, en même temps, ça lui permet de rester au chaud, car la sous-nutrition, ça provoque une intolérance au froid. Et malgré tout, Gustave tombe régulièrement malade. Son système immunitaire n'arrive plus à tenir la route. Son cœur bat plus lentement. On peut dire qu'il meurt à petit feu. Il a mal aux muscles, sa peau est sèche, il perd des cheveux. Et tous ces bleus, monsieur Comte, c'est une maladie ? Tu te souviens des vertiges qu'il avait au début ? Eh bien maintenant, c'est carrément des malaises qu'il fait régulièrement. Il s'évanouit sans raison et en tombant, il se blesse. Et ça peut arriver n'importe quand. Son cerveau fonctionne au ralenti, ce qui engendre aussi des hallucinations. Hein ? Mais il y a d'autres effets secondaires plus inattendus. Une baisse de libido, des absences de règles pour les femmes, une baisse aussi de la production de spermatozoïdes pour les hommes. D'ailleurs, petit point commun avec Balthazar, mais Gustave entre lui aussi en dépression. Franchement, on a une synchro, c'est quand même... c'est beau, quoi. C'est beau. Attention, parce que parfois, la dépression, ça n'est pas une conséquence, mais la cause du problème. Concrètement, ça veut dire que vous êtes dépressif, et donc, ça fait que vous mangez plus, pas assez, et donc, vous devenez gros ou maigre, pour résumer. Un petit peu comme l'anorexie mentale, qui provoque souvent de la sous-nutrition. C'est le cas par exemple de Valérie. Quand on ne mange pas, on arrive à un poids très maigre, la santé est en jeu, donc on est fatigué, on est faible. D'après une découverte scientifique récente, la maigreur, ça pourrait parfois être provoqué par une anomalie génétique. Sinon, la sous-nutrition, ça peut aussi venir d'une famine, comme en Somalie actuellement. Mais en vrai, dans le monde, environ 800 millions de personnes sont en état de sous-nutrition, ce qui est quand même gigantesque. Il y a combien de populations juste en Europe, toute l'Europe réunie ? Il y a à peu près 700 millions de personnes qui habitent en Europe. Donc, il y a plus de gens qui sont en sous-nutrition dans le monde qu'il n'y a d'Européens. Et croyez-moi qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens qui sont en sous-nutrition. Gustave va se sentir moins seul maintenant. Alors ouais, mais c'est pas sûr que ça allège ses souffrances. Dit que ça lui rende un poids raisonnable. Bref, en tout cas, si on arrêtait l'expérience maintenant, nos deux cobayes s'en sortiraient sans séquelles. Leur poids reviendrait à leur état normal, ça prendrait du temps, mais ça reviendrait. Sauf que la prochaine étape qu'ils vont passer va leur laisser de sacrés souvenirs. Et ça fait 10 mois que l'expérience a commencé, et le poids de Balthazar continue gentiment de grimper en flèche, avec maintenant 140 kilos sur la balance. Son IMC de 43, il a franchi un point clairement de non-retour. Parce que quand on a atteint du stade d'obésité morbide, on n'arrive plus à perdre du poids. J'arrive pas à maigrir. Et je me plais plus comme ça, mais j'en ai assez, quoi. J'ai besoin d'aide. D'ailleurs, en vrai, c'est même l'inverse. On continue d'en prendre de manière inarrêtable, quelles que soient les tentatives de régimes différentes. Et donc, la graisse s'accumule toujours plus, et ça commence à faire de sérieux dégâts. Vous voyez, les muscles fondent, remplacés par le gras, le sang circule de moins en moins bien, la respiration est également plus difficile. Tout est compliqué. Vous voyez le teint un petit peu jaunâtre de Balthazar ? Ça, c'est dû à la maladie du foie gras. Et en gros, c'est le signe que son foie n'arrive plus à gérer l'excès de gras. Et avec l'obésité morbide, on a à peu près 150% de plus de chances de mourir prématurément que si vous faisiez un poids normal. La vie de Balthazar est clairement menacée à moyen terme. En plus de tout ce qu'on a vu, Balthazar récolte un lot de nouveaux problèmes graves. Du coup, il a un diabète de type 2. Il commence aussi à développer des maladies du cœur,
cœur et des poumons. Et ça, bah, en fait, je précise, mais ces problèmes d'ailleurs ne sont pas dus au poids, mais à l'excès de graisse dans le corps. Et par exemple, une personne qui fait à peu près ce poids bah, nous raconte ses difficultés. Aujourd'hui, je pèse 150 kilos. Si je veux aller au cinéma ou au restaurant, il faut que je m'assure que les sièges soient bien adaptés pour les personnes obèses. Les amis, on leur refuse une fois de sortir, deux fois, trois fois, parce que c'est compliqué de suivre leur rythme. Et on finit par se retrouver seul avec son obésité. Et là, bah, vous voyez, Balthazar, c'est un peu pareil. Là, il a du mal à bouger, monter les escaliers, marcher, même simplement se lever. Donc des tâches apparemment simples qui deviennent des défis. Par exemple, bah, attacher ses chaussures, se laver ou même s'habiller, ça paraît bête, mais ça devient complexe. Attendez, c'est quoi cette tache bizarre sur son pantalon ? Je vais pas tout dire non plus, mais bon, voilà, ça peut provoquer un peu d'incontinence, quoi. Bon, voilà, donc on va le laisser se débrouiller, si tant est qu'il y arrive, et qu'est-ce qui se passe avec Gustave, d'ailleurs ? Parce que là, après 10 mois d'expérience, Gustave ne fait plus que 40 kilos. C'est simple, il fait 100 kilos de moins que Balthazar. On pourrait mettre 3 fois Gustave dans Balthazar qu'il y aurait encore de la place. On le voit, hein, clairement, il a la peau sur les os. Ou sous les os, on sait plus. Et là, il arrive au même problème de santé que les pires cas d'anorexie mentale. Mentale ? Genre, ça veut dire que le cerveau rétrécit ? Non, pas du tout. En fait, l'anorexie mentale, c'est juste le terme exact pour parler d'anorexie. Parce qu'en fait, l'origine de cette maladie, ça se trouve effectivement dans la tête. En vrai, bah, les anorexiques, les vrais, n'arrivent tout simplement pas à concevoir à quel point ils sont maigres. Ils se voient dans le miroir, ils ne voient pas une personne qui a plus que la peau sur les os. Ils voient quelqu'un qui est normal, voire en surpoids. Et ça, justement, bah, c'est souvent lié à un traumatisme psychologique qui déclenche la maladie, comme le raconte Solène. Ça fait depuis que j'ai 13 ans que je souffre de cette maladie et j'en ai 18 aujourd'hui. J'ai eu un traumatisme quand j'avais 12 ans et je pense que c'est le fait d'avoir pas contrôlé ce traumatisme qui a fait que j'ai voulu contrôler quelque chose d'autre dans ma vie quotidienne. Et ça a été la nourriture. Après, attention, hein, toutes les personnes en sous-nutrition ne sont pas anorexiques. En revanche, bah, les conséquences sont quand même les mêmes. C'est être détaché du monde. C'est perdre la vie, en fait. Enfin, c'est perdre toute vie normale. Et comme Gustave ne mange pas assez, je pense que c'est à peu près évident pour tout le monde, là, il commence à avoir plein de carences de vitamines. Par exemple, vitamine C, B1, B3. Je vous passe les détails, mais concrètement, bah, Gustave peut se mettre à saigner pour trois fois rien. Là, et en plus, il a mal aux articulations, il est épuisé, il a des problèmes de mémoire et de peau. C'est pas ouf, quoi, clairement. Pas ouf. Et en plus, vous voyez, bah, le manque de calcium et de vitamine D, ça fragilise les os. Son système digestif, son système reproducteur, sa thyroïde sont littéralement flingués. La thyroïde, c'est pas un truc pour faire de l'acrobranche ? C'est pas exactement la même chose. En plus, ça a pas la même utilité. Je pense que tu confonds avec la tyrolienne. En fait, la thyroïde, c'est un truc dont on ne parle pas très souvent. Pourtant, c'est ultra important. Elle se trouve dans le cou et elle fabrique plein d'hormones qui aident le corps à fonctionner. Là, bon, bah, voilà, je veux dire, on n'a rien demandé, mais il est amené à l'hosto. Alors, c'est pas étonnant, car bah, selon la haute autorité de santé en France, bah, un IMC inférieur à 14, bah, c'est direct l'hosto, et à temps plein. Et là, en l'occurrence, bah, l'IMC de Gustave est tombé à 12. Vous inquiétez pas, Gustave n'est pas en train de crever, il est juste en train de tomber dans le coma, tellement son état de santé est fragile. Bref, là, on le voit, nos cobayes sont entrés dans le dur de l'expérience. Pourtant, dites-vous qu'il reste encore un stade plus extrême à atteindre. Bon, on commence à rentrer dans les choses sérieuses là. L'expérience, elle dure depuis un an et demi. Et très clairement, bah, Balthazar, il pèse maintenant 200 kilos. C'est presque le triple de son poids de départ, quoi. Comment on fait pour avoir autant de place en nous, quoi? Là, son IMC est de 61. Au niveau santé, c'est vraiment pas ouf. Il y a des problèmes de toutes sortes qui peuvent arriver à ce moment-là, notamment des cancers. Parce que chaque année en France, environ 2300 personnes meurent d'un cancer qui découle de leur obésité. Et pour ceux qui survivent, bah, le quotidien est un véritable enfer. Comme le raconte Maiko Risigui. On se lève le matin, on va dans son fauteuil avec difficulté et on retourne au lit. On ne peut pas se couper les ongles des pieds. Ça peut faire un ongle incarné, une gangrène. Aux toilettes, c'est dur de s'essuyer. On marche avec des claquettes parce qu'on ne peut pas enfiler une paire de chaussures. La police nous arrête parce qu'on ne peut pas mettre la ceinture en voiture. Là, vraiment, à ce niveau-là, en fait, le corps entier d'une personne obèse devient un handicap. Les pieds et les jambes doivent porter 2 à 3 fois plus de kilos. N'oublions pas que, en tout cas, à ce stade-là, très clairement, la personne subit son poids. Là, elle peut même plus choisir ce que je maigris pas. Elle est vraiment dépassé par ses kilos, hein, littéralement. Bon, après, du côté des solutions, bah, la base, c'est un régime sur mesure et surveillé par des toubibs. Il faut aussi un accompagnement psychologique, des médicaments et en dernier recours, on peut aussi envisager une chirurgie digestive. Là, il en existe plein. D'ailleurs, les plus connus sont la réduction de l'estomac ou même la fameuse liposuction pour retirer de la graisse. Pour ça, encore faut-il être en vie, hein, parce que là, notre pauvre professeur Ball n'a rien vu venir. Attends, il faut que tu me fasses un signal, là, parce que j'ai rien vu. Que bon, entre son diabète, son mauvais cholestérol, ses problèmes de cœur, bah, littéralement, il a une artère qui vient de se boucher dans son
son cerveau. Et donc, bah, comme le cerveau n'est plus alimenté, paf, ça arrive très vite. Il fait un AVC, c'est la ligne plate, c'est le brancard. Attends, Chris, il est vraiment mort, là ? Alors oui, Ariane, si tant est qu'on puisse être faussement mort, mais là, oui, clairement, il est cané. Et d'ailleurs, ça se finit assez brutalement, un peu comme finalement dans la vraie vie. Hein. Pas genre un moment où on dit « Ok, aujourd'hui, je meurs », quand même assez rare. D'ailleurs, un AVC sur 5, c'est lié à du surpoids ou même à de l'obésité. Et il reste plus qu'à voir du côté de Gustave s'il aura plus de chance. Lui, il est descendu au poids fatidique de 35 kilos. Et je vous laisse imaginer combien de fois on aurait pu mettre de Gustave dans un Balthazar à son stade final. La réponse, c'est quand même beaucoup. Hein. Parce qu'avec un IMC là de seulement 11, il est dans un état de sous-nutrition extrême. Alors normalement, chez les personnes trop faibles, pour manger, on utilise des sondes ou des intraveineuses pour les nourrir. Mais pour notre expérience, on a prolongé le régime faible en calories. Il est donc toujours dans le coma à l'hôpital. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui arrivent même à ce stade totalement volontairement. Comme par exemple un certain Morgan lorsqu'il avait 18 ans. Je suis tombé dans l'anorexie suite en fait à une relation amoureuse et je suis parti dans un excès de sport, d'alimentation. Je suis allé jusqu'à 37 kilos. Pareil pour les personnes en grève de la faim. En tout cas, la sous-nutrition prolongée, bah, ça entraîne des dommages irréversibles aux organes. Quand le corps n'a plus assez de nourriture et plus assez de réserves non plus, il se dévore littéralement lui-même, de l'intérieur. Du coup, il digère les muscles et les organes les moins importants pour récupérer un peu d'énergie et se maintenir en vie. Alors, littéralement, du coup, du cannibalisme. Et là, c'est ce qui arrive petit à petit à Gustave. Comme le peu de muscles qu'il lui reste disparaissent, il n'a plus assez d'abdos pour supporter les organes qui se trouvent dans son ventre. Et donc sans abdos, ça peut paraître contre-intuitif, mais son ventre se met à gonfler. C'est ce qu'on a pu constater par exemple dans certaines photos, notamment en Afrique, dans les pays comme la Somalie, évidemment, du coup, quand ils sont clairement sous-nutris, les enfants ont des gros ventres. Et c'est en vrai parce qu'en fait, ils n'ont plus les muscles des abdos qui servent en fait comme des élastiques qui retiennent tout à l'intérieur. Et en plus, les carences, ça provoque des fuites internes, et du coup, il y a du liquide qui s'accumule dans le ventre. Et au final, on finit par mourir lorsque, grosso modo, on a perdu plus de la moitié de son poids initial. Gustave faisait 70 kilos, là il en fait maintenant 35, il est à la moitié. Et du coup, vous le voyez, Gustave est mort lui aussi. Et dans le monde, c'est plus de 20 000 personnes qui meurent chaque jour de sous-nutrition. Ce qui en fait la première cause de mortalité de notre époque. Au final, c'est moins handicapant et douloureux d'être en sous-nutrition. En réalité, ça peut paraître fou, mais les symptômes arrivent plus lentement et ça s'accélère à la fin. Par contre, être sous-nutri, c'est plus dangereux. Et là, la mort de Gustave est directement liée à la sous-nutrition. Et contrairement à Balthazar, où lui, s'il est mort, c'était pas directement lié à son poids. C'était plus lié au gras que ça a entraîné et qui a saturé son organisme. Et donc par rapport à tous vos pronostics de penser qu'en fait, être en sous-nutrition, c'est plus douloureux qu'être en surpoids, en réalité, pas tout à fait. Je dirais bien d'essayer, mais en vrai, du coup, c'est pas une bonne idée. Enfin, en tout cas, vous inquiétez pas, on va les ressusciter tous les deux. Parce que du coup, on a encore besoin d'eux, une fois n'est pas coutume. Hein ? N'hésitez pas à témoigner si vous avez des expériences un peu similaires, ça peut toujours être riche. Et pensez aussi au lien en description pour en savoir plus sur Odoo si par exemple vous voulez faire un site web à votre image. Sur ce, nous, la messe est dite et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Moi je dis, tant qu'il n'y a pas de problème de santé, à chacun son corps.